Gan paquet de bagay ko pa konnen de kontinan sa ki rele Asia. Se yon nan kontinan ki unik nan fason pal. Mwen personnellement, mwen rele le kontinan Jechiri. Paske tout Jechiri wè ka viv nan mod lan, yon sorti nan kontinan sa ki rele Asia. Nan video sa, ki te moutro tre rapide 5 bagay ko pa jam konnen de kontinan sa. E msye certain, ou val sezi. An ale tre rapide. Asie, c'est continent qui plus grand dans le monde là en termes de population et de superficie. C'est continent qui plus peuplé sous planète là. C'est 60% population mondiale là qui vivent seulement dans continent ça. Dans 8 milliards monde qui gagne dans toute planète là en général, Asie gagne 4.5 milliards monde qui vivent sous continent ça. Pour compter nan vaste population sa ka viv sou continent sa en bien yo reparti sou environ 48 pays nan continent et par rapport avec toute quantité moun ka viv nan continent sa c'est ça qu'faut apprendre gen plus culture différent et gen plus langue différent et même nan question religion ou avenir gen paquet religion qui différent. Deuxième bagay encore qu'on pat konnen de continent sa ki rele asien c'est continent qui gen pi gros économie nan monde la. Nous konnen la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, tout grand pays ça c'est dans continent Asie yo. La Chine lui-même c'est plus gros économie dans continent pour compte li. Li gen un PIB de 14.200 milliards de dollars. En deuxième mois vient Japon avec un PIB de 5.100 milliards de dollars. En troisième mois vient Inde. Ou va vient Corée du Sud qui vient d'elle et en dernier ou va vient Indonésie avec un PIB de 1.100 milliards de dollars. C'est 5 pays ça qui représentent plus que moitié PIB total continent. Son bagay qui vraiment extraordinaire dans continent ça. Troisième bagay encore qu'on pat konnen de continent ça, plus passé 2000 langues parlées dans continent ça. Gen paquet de pays qui gen plus passé yon langue maternelle. Par exemple, en Inde, yo même yo gen 22 langues officielles. Même pays qui pipi ti tankou Singapour avec Philippines, yo parle plusieurs langues dans pays ça. C'est yon diversité linguistique qui vraiment exagéré, c'est un bagage qui vraiment unique dans continent ça. Quatrième bagage que monsieur est certain qu'on pas connaît de continent ça qui est l'Asien, il y a un nèg qui était le Tagor qui c'était un polymathe. Monsieur était rentré dans l'histoire lorsque il devint premier lauréat asiatique qui prend prix Nobel en bien en littérature. Ça c'est un bagage qui était fait en pile tollé à l'époque. Tagor lui-même c'était un écrivain, c'est un artiste et c'est un philosophe prolifique. Et œuvres monsieur yo traduit en plus passé 50 langues et c'est pour la première fois tout prix Nobel littérature là li pas décerné avec un européen et jusqu'à présent yo toujours continué bail œuvre monsieur valeur dans continent ça qui est l'Asie. Et une dernier bagaille pour finir vidéo ça qu'on pas connait de l'Asie c'est que dans domaine philosophie avec religion c'est un continent qui plus diversifié en bien yo gon variété de croyances dans continent ça. Yo gen taoïsme, yo gen confucianisme, yo gen bouddhisme, yo gen christianisme, yo gen islam, yo gen paquet l'autre religion qui pratiquée par un pile moun nan continent ça. Et chaque religion ça yo gon impact yo joué sur région ça ou bien sur continent ça. Yo influencé moun yo en pile nan question art, nan question littérature, nan question politique avec économie etc. Nous venons faire vidéo, m'espère que t'es remé format vidéo ça. Si tu faut remé format, fais comme ça, bye vidéo ça on like, partagez-la avec des trois amours, des trois familles et abonnez-vous sur la page pour qu'on fasse ça. Vous connaissez seule façon ou capable aider la communauté ça les grandir. Ciao ciao, n'abord rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo qui est intéressante.